ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui inverse l'objet pour fabriquer son image. C'est Dieu qui fait ça. C'est comme ça, il le fait pourquoi? Après, vous décroyez de la règle exclusive. La règle exclusive, vous, vous habitez dans le monde, vous faites un peu pour réfléchir. On a vu ça, on ne fait que réfléchir. On ne fait que réfléchir seulement. Rien fait avec la règle exclusive. Pour lever une tâche, par exemple, c'est quoi? Il regarde l'image du miroir, il identifie la tâche. Et puis il enlève, c'est comme ça, ça c'est la règle exclusive. Il a juste fait une ressemblance là. Une ressemblance. Il a fait des ressemblances, des allusions, c'est comme ça. Ça c'est la règle, ça, on a vu ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la règle crée des erreurs. C'est comme ça, c'est lui qui inverse l'objet pour fabriquer son image. Tout juste après vous dépoiler le poids de la règle exclusive. C'est comme ça, le miroir, ça crée des illusions. C'est comme ça, il se dit le miroir pourrait miroiter, non, le miroir miroite. C'est comme ça, le regarde. C'est comme ça. C'est comme ça. Et l'inverse là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, ajouter quoi? Vous voyez quoi? Ne faites pas la règle exclusive. Et vous ne pouvez pas agiter, il faut agiter, il faut agiter le compas. C'est bien si, ça se baisse. C'est comme ça, ayez détruit le compas.